Et bonjour à tous, nous sommes le 10 juin. Attendez, je vais fermer la porte. Nous sommes le 10 juin. Nous avons rencontré hier soir Loïc Brichoux, qui nous a fait une surprise merveilleuse, enfin pour moi surtout, parce que Marine le savait, Gina et Francis le savaient, mais moi je ne le savais pas. Donc là où nous étions parqués près d'un stade, il nous a dit, là ça craint un peu, vous n'allez pas être bien et tout. Donc il nous a amenés sur un autre endroit où certes, en soirée et le matin, là on a du passage, mais cette nuit nous avons eu du calme et nous avons très bien dormi en sécurité. Alors moi ce matin, je voudrais, avant de démarrer, commencer par vous faire le point de où nous en sommes sur la carte. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés et puis même les plus anciens, ils ont envie de visualiser sur la carte où nous en sommes. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite avant de démarrer pour aujourd'hui. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis partie de la Gironde, pop, 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 et je suis partie à Arles pour rejoindre Francis, Gina et les gens qui nous accompagnaient. Nous sommes passés sur Avignon, nous avons fait Orange, moi, j'ai fait une bifurcation là. Ça, c'est mon trajet à moi, hein. Voyez, on est monté, 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 monté. On est passé à côté de Valence. On est monté, 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 monté. La partie la plus difficile, ça a été de contourner. Oups, ça a été de contourner la partie de Genève, là, la partie frontalière de la Suisse. Moi, j'ai traversé le Jura de haut en bas. Je suis montée ici. C'est Campagnol. Ensuite, je suis allée par là. Et ensuite, là, c'est le lac Saint-Point, là où j'en ai fait tout le tour et où j'ai attendu 3 ou 4 jours de repos, de peinture et l'arrivée, la montée de Francis et Gina. Et nous sommes arrivés hier soir donc au niveau de Pontarlier. Donc à Doups, un village qui se touche, et c'est comme une petite banlieue. Et là, nous allons continuer à monter direction Morteau, mais nous allons bien sûr nous arrêter avant. Nous allons à... je vous l'écrirai parce que je ne me rappelle déjà plus. Donc, je vais essayer de vous montrer la carte en entier. C'est pas évident dans le camping-car parce qu'il pleut. Voilà le trajet. Donc, si on part depuis Arles, pop, 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 pop. Ça y est, on a dépassé la partie Genève et nous continuons à monter vers le nord. Voilà. J'essaie de vous la montrer en entier. Vivement qu'il fasse beau, il faut que je fasse ça dehors quand il fait beau. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes en journée couvert, pluie, ça pleut pas. C'est pas très agréable, mais ça fait rien, on va avancer quand même. Tant qu'à moi, sur ma route, je crois que j'ai des belles choses à aller voir. On m'a conseillé une abbaye à aller voir. Donc, je vais démarrer et je vais avant tout mettre en ligne, préparer ma vidéo que vous aurez ce soir. Donc, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu la vidéo. vous avez remarqué qu'il y a un jour de décalage, hein. Mais pour moi, c'est plus simple, ça me permet de moins stresser et d'avoir une journée de décalage pour la vidéo suivante. Pardon, je bouge. Donc voilà, je finis de préparer les affaires, faire ce que j'ai à faire et je démarre. À tout à l'heure.
Alors là-bas au fond, il doit se passer quelque chose parce qu'ils ont fermé l'accessibilité aux voitures. Donc j'ai dû faire tout le grand tour. Donc je passe par là. Église et cloître. Regardez-moi ça, si c'est beau. Regardez-moi ce travail de la pierre. C'est magnifique. Ces détails. Bon, on va voir si on peut rentrer. Apparemment, oui. Et accessible.
Alors ici, ils ont deux monuments aux morts, 14-18 et 39-45. Thank you.
Bon, ben, nous sommes dans un petit village avec un stade sympathique, un tout petit village où il n'y a rien et que des habitations qui s'appellent les auberges. Ça tombe bien. Alors, Gina et Francis sont accueillis en Donativo et on est à côté du petit stade. Voilà, je ne tourne pas trop, je ne vous montre pas trop parce que des jeunes ils sont en train de s'entraîner. Donc, moi, je vais terminer. J'ai le bras en l'air parce que j'ai oublié la perche encore. Donc, je termine ma vidéo là pour ce soir. Comme vous l'avez vu, pour les fois où j'ai les églises fermées, cette fois-ci, vous en avez deux pour le prix d'une. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous avez aimé. En attendant, je vous dis à demain et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.